Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Perdu qui vous parle un petit peu de la vidéo de glitch d'Argenté. Vraiment, mais vraiment facile pour moi. Cette vidéo est quasiment 9 minutes, mais. Mais c'est à cause que je le fais 3 fois le glitch pour vous montrer comment faire pour pas dépenser trop d'argent pour lui. Fait que là, guys, moi je vous conseille de voler le char dans le glitch que je vous avais proposé. Le glitch que je vous avais proposé, c'était lui, qu'on volait un char à une certaine heure, là, on était dans le soir. Puis là, il faudra vous mettre juste ici. Comme quand vous allez sortir de votre porte, il faut tout de suite que vous faire sonner dans votre garage ou tout de suite rentrer si personne est là, dans votre station, personne n'habite dans cet appartement-là. Alors là, ça va faire que le char il va toujours rester en place. Ok, il va jamais pouvoir entrer à ton garage. Fait que c'est pas mal ça. Et c'est. Ah oh oui, c'est. J'ai oublié, c'est une duplication vraiment très facile. C'est la plus simple que j'ai eu à faire sur GTA 5. Puis avant j'étais pas un gros qui faisait pas beaucoup de glitch là pour s'entendre. Là je sais pas ce que je faisais, I guess que je bug. Ben j'avançais de même, je regardais pas. Fait que j'ai fait ça hier soir, on n'est pas en live, et non. Et là, vous allez appeler Gérald ou Ron, et là, vous allez demander une activité. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez pas demander à Ron une activité, ben demandez à Gérald une activité. Et là, vous allez rouler. Oh, ouais. Là, c'est à cause que je l'avais fait une première fois, puis ça avait bugué. Alors, ben, que je l'ai pas eu, je veux dire. Et pour assurer que vous êtes dans une bonne session, parce que c'est pas dans toutes les sessions, mais guys, oubliez pas, c'est pas en privé qu'on va faire ça. Non, c'est juste une session publique. Si vous n'avez pas un mode session publique, ça va pas marcher. Mais comme là, vous voyez, j'ai vu que je l'ai fait une fois, j'ai essayé d'être dans l'émission. Là, tu peux plus entrer dans ton garage, tu peux plus vendre. Là, je vais vous montrer plus tard comment. Et là, je vais rappeler Gérald, mais en fin de compte, je vais juste aller dans mes activités. Parce que là, ça se peut que ça marche pas une première fois. Là c'est la deuxième fois que j'essayais. Et là, il faut que vous soyez en mouvement et que. Quand vous acceptez l'invitation, vous serez en mouvement, genre, que ben vous roulez encore comme quand que. Puis là, vous quittez tout de suite ici le menu. Tout de suite. Aussi, tu peux quitter, fais le plus vite possible. Là, ça se peut qu'il y ait des accélérés parce qu'il y a des choses pas très importantes. Et là, vous venez de voir le glitch, la duplication arriver. Elle spawn toujours bien placée. Et puis ton autre char, il va être. Ou là, mais moi j'ai cherché mon char, là, c'est pour ça que j'ai mis ça en accéléré. Mon char il était, je sais pas si vous avez vu là, quand j'ai tourné, mais en tout cas, je vais vous montrer plus tard là, you. Alors là, on vient de commencer la duplication et c'est juste ça, ça prend. Je pense que tu peux faire 1 million en 20 minutes. Ça dépend comment tu modifies ton char. Je vais dire 1 million en 30 minutes, tu m'as sorti de ma vidéo parce que c'est vrai. Si t'as plusieurs chars proches là. T'es ta business mon bac là. Ouais. Là, je vais sortir pour refaire le glitch. Et ben là, je vais aller chercher le char parce que je me demandais vraiment il était où. Parce qu'il est vraiment descendu bas quand j'ai fait le glitch. Fait guys, faut toujours rester en mouvement. Si vous pouvez vous mettre passif, c'est toujours idéal. Puis guys, la chose qui fait un peu chier, c'est que. Vu qu'il est pas à vous, le char, il y a quelqu'un qui aurait pu me le pogner s'il voudrait là. Puis je m'en serais volé, puis il aurait fallu que je recommence le glitch. C'est ça le. Qu'est-ce qui est chien. Et aussi que. Ben c'est que. Aussitôt que vous le mettez dans votre garage là, le char là. Mais là on peut pas le mettre dans le garage, mais aussitôt que vous le mettez là, il est plus bon. Plus bon. Il est vraiment un plus bon. C'est ça l'affaire, faut pas que tu te fasses blower. Mais moi j'ai rempli mon garage, je vais vous montrer vers la fin de la vidéo. C'est là que ce qui me fait dessus là, j'ai doté le char, mais bon, j'étais borré à cause qu'il était à quelqu'un. On va juste passer, je vais juste vous montrer que j'ai essayé de le vendre. Attends, si tu. Je sais pas pourquoi. Oh. Là, oh oui, c'est ça, là je suis en train de le modifier parce que là j'ai vu que le glitch marchait, fait je vais le modifier. Puis là, moi ça m'a donné 80 000, mais moi c'est à cause que j'ai pas tout, je peux pas tout modifier au max. Mais normalement ça donne un bon 150 000. Fait que si tu fais un 150 000 x 10,
500 plus qu'un million et ça se fait très facilement. Je pense que j'en ai fait 8 parce que moi j'ai deux chars que je veux rester dans mon garage, mais cette tournée il y a un autre char. Et ma zen, je veux dire, les 8 ça m'a pris je pense 15 minutes gros max. Fait que, mettons, tu vends un char 100 000, ça peut te prendre un gros 30 minutes gros max, puis tu fais ton million. C'est sûr que il y a 45 minutes de vente, je pense, ou je sais pas si c'est combien, moi, là, je suis pas sûr. Mais bon. Fait que là, guys, c'est vraiment une explication très facile. Fait que là, nous, je sais pas, je pense que la vidéo va être coupée bientôt, ou je sais pas trop. Mais bon, là, on met ça en accéléré, là, pour pas perdre trop de temps, là, parce que, t'sais, ça aurait pu durer comme 12-13 minutes, la vidéo. Mais vraiment, là, vous pouvez vous-même finir d'écouter la vidéo, puis vous allez savoir tout quoi faire. Il y a plus grand chose, mais là, je vous explique, je vais vous expliquer d'autres choses. Puis là, check, là, je vais vous expliquer, je me suis tiré par des gars. Fait que mettez-vous en mode passif, ça c'est bien moins compliqué. Moi, je l'avais oublié. Puis moi, ça m'a pris une couple de sessions avant de l'avoir en ligne. Je vous dis, c'est pas, ce glitch marche à la merveille. Il marche vraiment bien, mais ça veut pas dire que tu vas être dans une bonne session. Fait vous comprenez que la première fois, j'ai pas tout de suite custom mon char parce que je voulais voir si j'avais une bonne session. Puis là, quand j'ai vu que la duplication marchait, là, j'étais motivé mon char à cause que si j'étais dans une mauvaise session, ça, comme moi, je l'ai fait la première fois, j'étais dans une mauvaise session et j'ai dépensé quasiment 200 000 pour rien. C'est ça qui est chiant, mais là, après, je pense que le glitch est pas mal rentable. Fait que tu fais ça, tu vas tes chars peut-être une fois, admettons que t'es comme actif sur GTA, là, tu vas ton char, tu vas tous tes chars, tes 10 chars pendant une journée, après une journée t'es fait tes chars. Je t'ai dit, après une semaine, là, tu peux te faire une coupe de millions. Et oui. Et là, vous venez de voir, je sais pas si j'ai fait le glitch. Ouais, j'ai fait l'application. Et voilà, vous voyez le char monsieur, le petit capot en avant. Noir, et vous voyez que le char est bien custom. Et moi, il va être 86 000 en passant, mais il peut être 150 000, je pense que je me suis déjà répété là-dessus. Mais bon, c'est quand même assez rentable comme glitch. Et là, vous allez voir que j'en ai deux, l'un à l'autre bout. Mais bon, vous n'avez pas grave parce qu'il y avait d'autres chars pour le cacher. Et là, ça va pas mal être ça pour la fin de cette vidéo-là, mais attendez, mais pas complètement fini, mais bon. Là, je vous montre qu'est-ce que ça ressemble, multiplication. Et ça marche. Pas mal seul, ça marche. Juste pour montrer que le glitch est quand même assez rentable. On va aller au Lost Castan. Ben là, vu que le glitch, le char que vous avez eu au début, vous pouvez pas le vendre. Mais ben, vous pouvez le vendre, mais il y a une méthode, mais moi je la comprends pas trop. Fait je vais une méthode plus simple. Je vais aller juste refaire le glitch. C'est tout simple. Je refais le glitch et vu que j'ai plus de char à mettre dans mon garage, ça va être comme lui, c'est comme si ça serait le char original. J'ai mis ça en accéléré dans l'affaire de Gérald. Ben le glitch d'éducation à cause que je pense que vous savez, là, c'est la troisième fois que je le fais. Ben, deuxième, là, pis ça a été la troisième fois. Alors guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit 86 000. Très rentable. Alors. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez plus de glitch, abonnez-vous à ma chaîne. Et là, on est quasiment à 210, c'est comme cool. Fait guys, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez. On se revoit pour.